J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un vlog, weekly vlog. Je vous amène avec moi dans ma semaine. Faire un petit home update, life update, Q&A concernant my pregnancy. Je suis présentement dans la chambre du bébé. Puis je vais vous montrer un peu where I'm at. Do some little unboxing for you guys. Puis ouais, juste vous montrer un peu what's up and build up the nursery with you. Parce que j'étais encore en train de bâtir la nursery. Mon plan, c'est de toute la terminer dans mon deuxième trimestre. Je suis présentement dans mon deuxième trimestre. Puis c'est ça, je veux kind of finish it off le plus gros, comme les meubles, tout ça, que ça soit monté. Puis après ça, dans le troisième trimestre, ça va juste être comme tweak it here and there. Puis ajouter des trucs manquants. Fait que ouais, it's like my favorite room dans la maison maintenant. Puis je suis tout ainsi. Je chill tout ainsi. Fait que ouais, c'est ça, je vais vous montrer the little switch we made dans la maison. Puis c'est ça, let's go! Ok, je vais vous installer ici just to kind of go through this huge box of stuff I got. Je me suis envoyé ça par M. Pompon. Je sais même pas si vous êtes capable de voir comment c'est genre la plus grosse boîte que j'ai reçue de toute ma vie. Honnêtement, je m'attendais tellement pas à recevoir des trucs. Puis j'aime vraiment ça, acheter mes propres affaires. As you guys know, I am a 9-to-5 corporate girly. I like to buy my stuff, puis acheter des trucs de bébé. Puis c'est tellement le fun de recevoir des cadeaux. Puis je m'attendais vraiment pas à recevoir ça, honnêtement. J'étais en train de l'ouvrir, puis je suis comme, oh my god. There's a lot of good stuff I want to show you guys. J'ai commencé un peu à mettre des trucs sur des seins, puis j'étais comme, ok, il faut que je montre aux besties what I have. Parce que c'est comme, I have a lot of stuff on me right now. Fait que je vais comme commencer, on va ouvrir ça ensemble puis regarder what they gave us. Puis après ça, je vais le ranger dans la chambre. Mais holy moly, j'ai capote. Donc M Pompon, pour ceux et celles qui savent pas, c'est la première compagnie qui m'a envoyé des produits puis qui a fait une collab avec moi quand j'avais mon blog il y a 10 ans. Il y avait juste des petits produits faits à la main. Je pense même pas qu'il y avait de boutique en ligne dans le temps, c'était genre tu commandais sur Instagram. Fait que ça fait vraiment longtemps que qu'ils m'ont envoyé des produits. Puis je savais même pas toute la collection bébé qu'il y avait, honnêtement. Vu que tu sais, quand t'es pas maman ou t'es pas enceinte, je pense pas que tu magasines tant que ça les trucs pour bébé. Fait que, en tout cas, moi dans mon cas, j'avais rien acheté avant de tomber enceinte. Puis j'avais jamais magasiné les trucs de bébé. Fait que je savais même pas qu'il y avait tous ces produits-là. Alors, première affaire, genre, there's a ton of baby pajamas. Fait que là, ça, je les ai déjà mis sur des cintres pour pouvoir les ranger dans la chambre puis dans le garde-robe. Mais dans le fond, ils ont trois couleurs de pyjamas. Vraiment doux, c'est en matière recyclée, puis c'est comme super doux, honnêtement. Genre, j'ai l'impression que ça, la sensation, c'est comme du bambou, mais je pense pas que c'est fait en bambou, si je me trompe pas. Non, c'est pas fait en bambou, mais c'est super doux. C'est le même tissu que leur pyjama, puis moi j'adore les pyjamas M Pompon à la base, j'en ai déjà parlé. Fait qu'ils m'ont donné, ils ont trois couleurs, ils ont blanc, noir et brun, puis ils m'ont donné toutes les grandeurs dans chaque couleur. Fait que je capote, j'ai comme vraiment, tu sais, mettons le newborn, après ça, ça c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois, c'est juste fou. Ce que j'aime aussi, parce que je sais pas si vous voyez, ils ont toutes des zippers. Honnêtement, c'est vraiment des bons basics. Puis en dessous des petites pattes du pyjama, il y a comme des petits stickers comme anti, tu sais, pour pas qu'il glisse, mettons, quand il va commencer à marcher. Surtout pour les pyjamas 12 mois, 18 mois, je trouve ça vraiment cool. Puis j'aime vraiment, vraiment la douceur du tissu. Là, je les ai montrés à Gab, il était comme, oh my god, c'est justement des bons basics. Aussi, l'autre affaire que j'ai remarqué qu'il n'y a pas sur tous les pyjamas de bébé, c'est un double zipper. Je sais pas si vous voyez, mais dans le fond, il y a un zipper en haut, comme ça. Puis il y en a un en bas. Fait que t'as pas besoin de tout déshabiller le bébé pour changer la couche. Il y a vraiment un zipper avec ouverture en haut, ouverture en bas pour vrai besties. Si vous cherchez des bons basics pour vos bébés, honnêtement, je pense que c'est dans mes pyjamas favoris que j'ai. Puis j'ai quand même acheté une coupe de pyjamas par moi-même déjà à date. Mais comme regardez, ça c'est les noirs. Mettons, je vais vous montrer comme ça. Vraiment cute. Zipper, double zipper. Le zipper, il va vraiment loin dans la jambe. Là. Ça, c'est le pied. Il se dézippe jusqu'ici. Des fois, j'ai des zippers qui vont jusque là. Là, il va vraiment jusque dans le bas de la patte. Puis, il y a comme un petit élastique aussi en arrière, derrière la cheville, que je trouve que c'est vraiment hot, avec le petit, les petits stickers anti-adhésifs. Puis, le brun, j'ai un petit coup de cœur. J'aime vraiment la couleur brun, comme vous savez. Puis, encore une fois, ils m'ont donné toutes les grandeurs. Ensuite de ça, ils m'ont donné une petite veste en tricot, comme ça, vraiment cute. Toutes les fourrures sont amovibles. Ça, je pense que c'est un de mes coups de cœur. Comment c'est doux. J'aimerais vraiment ça l'avoir pour adulte, cette affaire-là, puis je le mettrais. C'est genre un one piece vraiment cute en mouton avec by the way, sorry, c'est fait un peu dark, mais je pense que c'est possible avec mon flash out there. J'ai pas allumé les lumières dans la chambre. J'aime ça, genre,
zen mode. It's still early in the morning en ce moment pendant que je vous filme ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment cute. Il y a comme les petites oreilles, les petites mains peuvent sortir aussi. Puis il y a les petites pattes, le full beau zipper gold, vraiment de qualité. Honnêtement, je suis vraiment étonnée, comme je m'attendais vraiment pas à ça. La qualité, puis c'est tellement doux que j'ai trop hâte de faire une photo avec bébé là-dedans. Oh my god, trop cute. Puis ils m'ont envoyé aussi la petite veste de même, brune, teddy encore, vraiment doux, bestie. Sérieux, il faudrait vous toucher, c'est tellement cute avec les petites poches. Le zipper, vraiment de qualité pour vrai, genre à date, comme toute la qualité de ce que je touche puis ce que je vous montre, je suis vraiment impressed pour vrai. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ils m'ont aussi donné un habit d'hiver. Il est tellement cute! Avec le cuir, ici il y a des straps puis deux zippers, encore une fois, des gros zippers gold. L'intérieur est genre tout doublé en poils. Tellement doux puis chaud. Puis la fourrure, encore une fois, est amovible si jamais vous voulez l'enlever. Oh my god, ok, je capote comment c'est doux puis comment c'est beau. Wow, je trippe, il y a trop d'affaires. Ok, sur moi, ça c'est vraiment un truc que je voulais m'acheter déjà. Ça je l'avais déjà vu sur leur site. C'est les enveloppes à coquilles. Fait que dans le fond vous mettez ça par-dessus genre la coquille. Ils m'ont donné la grise et la blanche. Puis qu'est-ce qui est vraiment hot, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout doublé à l'intérieur en poil avec aussi du mouton. Fait que c'est vraiment chaud. Puis l'extérieur est genre en simili-cuir. Fait que vraiment cool pour l'automne, même pour l'hiver. Et ils m'ont donné aussi les housses à poussette, que tu mets comme dans la poussette, puis dans le fond le bébé est là-dedans. Je vais vous montrer peut-être, ça c'est, ils m'ont donné la noire puis la blanche. En arrière, ça s'ouvre, fait que si tu veux attacher ton bébé dans sa coquille, tout ça c'est super sécuritaire, tu peux enlever ce morceau-là, question de sécurité. Fait que le blanc, je pense que vous voyez peut-être bien à la caméra, l'intérieur en poil, tout à l'intérieur. En arrière, le dos s'enlève, il y a aussi un espace ici pour de sécurité, là, vraiment pour attacher. Puis tout ça, ça s'enlève pour attacher le bébé. La fourrure s'enlève au contour. Honnêtement, si vous cherchez une belle housse pour la poussette pour l'hiver, puis l'automne, dans le fond, ils ont dit que ça allait jusqu'à moins 25. Puis là, dans le reste de la boîte, parce que comme j'ai pas fini avec ça tellement qu'il y avait un petit truc, ils m'ont envoyé aussi des trucs pour maman. Fait que leur pyjama que je vous parlais, que j'aime vraiment, ils m'ont envoyé toutes les couleurs. Moi, j'avais déjà le noir, en fait. Fait que le blanc, brun, bleu, rose, ça, je les avais pas. Ah, vous voyez un autre petit pyjama que j'avais pas sorti tantôt. Ensuite, ils m'ont aussi envoyé des robes de maternité. Ils sont tellement douces et confort. La noire est déjà au lavage parce que je l'ai mis hier, tellement que je l'aime. C'est vraiment, vraiment doux à l'intérieur. Le tissu, bestie, si vous cherchez des belles robes, genre maxi dress longue de maternité, ils m'ont envoyé ça. Ils m'ont envoyé plein de trucs, honnêtement. Mes préférés, c'est ça avec le pompon comme ça, genre. Le pompon en tissu, je trouve ça tellement cute. Ils m'ont envoyé toutes les couleurs, plein de grandeurs différentes. Aussi des trucs en jersey, comme ça en coton. Ça, c'est vraiment pratique pour l'automne. Checker le pompon, il est cute. Le pompon en poil, en genre de tricot comme ça, j'aime vraiment ça. Oh, il y a tellement d'affaires, ça pourrait prendre genre 4 heures à juste tout vous montrer. Fait que c'est ça en gros, avec plein de des petites pantoufles. Pour vrai, vous irez voir la section M-Baby. Dans le fond, ils m'ont dit qu'ils allaient faire un lien avec genre tout ce qu'ils m'ont envoyé si jamais il y a des produits que vous voulez aller voir. Puis ils m'ont fait un code promo aussi si jamais vous voulez un 10% de rabais supplémentaire. Puis ils ont plein de promos. Fait que je vais tout link that in the bio. Let's clean out everything. Et ouais, on se rejoint après. Ok, voici de quoi la chambre du bébé a l'air en ce moment. Donc, this is how it looks. Fait que ici on a mis la bassinette. J'ai acheté ces rideaux-là sur Amazon. Je me suis demandé de link everything I got on Amazon. Fait que je vais faire ça. Je vais vous faire un petit baby board. Puis, qu'est-ce que j'aime vraiment, c'est qu'ils sont doublés. Fait que quand on les ferme, ils sont vraiment, vraiment opaques. Puis, on a déjà les stores. Fait que ça fait vraiment, vraiment une belle noirceur dans la chambre. Mais je vais commencer ici. Fait que dans le fond, quand on rentre, ça c'est la table à langer. Il manque le matelas. Je vais mettre des paniers ici. Ça, ça vient de chez Wayfair. Puis j'essaie de rester un peu dans les accessoires gold qui fit avec vraiment le reste de la thématique dans la maison. Ici, j'ai un gros coin parce que je vais avoir la chaise berçante. Dépendamment, comme on a pris les mesures, fait que soit qu'elle va aller plus là. Puis ici, je vais pouvoir mettre genre le panier à linge, la poubelle à couche, comme les dissimuler un peu. Ça, c'est un cadre, en fait, que quand j'étais jeune, moi, si vous avez vu un peu dans mes stories, ma mère, elle détestait genre le rose, le bleu. Elle a jamais été comme ça pour moi. J'avais une chambre très unisexe, puis elle a fait dessiner ça par une artiste. C'est tout dessiné au crayon à la mine, puis c'est vraiment beau. Je pense qu'il y a aussi peut-être de la peinture, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment une belle œuvre. Puis elle l'avait fait encadrer, puis c'est moi et mon frère, on l'a eu dans nos nurseries quand on était bébé, puis elle l'a toujours gardé. Fait que je voulais l'accrocher ici. Ici, je voulais mettre un miroir.
accrocher ça là avec la chaise berçante. Puis je vais peut-être faire accrocher un chandelier ici aussi ou en haut de la bassinette. Je sais pas encore, ou en plein milieu de la chambre. Mais il va y avoir clairement comme un lustre, quelque chose comme ça suspendu, un genre de chandelier. Je pensais peut-être quelque chose en rotin, quelque chose du genre. Fait que je vais voir. Fait que ça va être là, la chaise berçante. Moving on, comme je vous ai dit, les rideaux du Amazon beige. Ça ici, j'ai trouvé cette couverture-là au Winners. Tout le bedding qu'il y a en ce moment dans le lit, ça vient de chez Wayfair. Puis le tapis, c'est un pompon qui me l'a envoyé. Je ne sais pas encore si je vais le laisser là, je vais le changer. Je faisais juste des tests. Puis la dernière fois, j'avais mis dans le lit du bébé ce petit toutou-là. Mais Milo, il vient tout le temps de chiller ici. Puis il se couche sur le tapis. Puis il voit, puis il veut jouer avec. Mais c'est un Jellycat, OK? Moi, puis là, on est rendu des parents de Jellycat. On l'a acheté à Banff. Puis on l'aime vraiment. Fait que pour le moment, ça ressemble à ça. Ici, dans le fond, je vais mettre plein de jouets là-dedans. C'est un gros panier en osier. Je sais pas si vous voyez, il est vraiment gros. En ce moment, c'est tous nos outils parce qu'on montait des meubles de bébé. Fait qu'on les a comme laissés là. Faut vraiment que je fasse la balayage, by the way. Les planchers sont sales. Deuxième tablette, j'ai mis tous les livres de Gabriel. Dans le fond, ça, c'était toute la collection de livres à Gab quand il était bébé. Puis je veux quand même qu'il soit à une bonne hauteur pour que lorsque notre enfant va grandir, ben c'est facile pour le bébé de choisir ou l'enfant de choisir ses livres. Puis tu sais, ça, c'est toute la collection de Disney. Fait que sûrement que vous avez déjà eu ces petits livres-là quand vous étiez jeune. Si vous êtes né pas mal dans les années 90, c'est pas mal tous ces livres-là qu'on avait. Puis Gab et moi, on en a acheté deux nouveaux. Puis on veut en acheter quelques-uns un petit peu plus nouveaux, un petit peu plus à jour, si on veut. Puis j'en ai d'autres, j'en ai mis d'autres en arrière. Mais ceux-là, je les ai laissés pour faire un petit arc-en-ciel. Ça, Gab avait ça dans son bureau, mais je vais peut-être le changer. C'est juste pour tenir les livres en attendant. Ça, je vais changer la photo parce que j'ai des échos. Tu sais, c'est genre mon écho de datation, hein, genre 8 semaines. Fait que c'était tout petit. Mais je veux changer pour quelque chose d'autre. Ça, c'était mon toutou quand j'étais bébé à moi. C'était mon nounours quand j'étais jeune. Puis je l'ai laissé là. Des fois, je le mets aussi sur le lit. Je le trouve vraiment beau. Fait que tu sais, ça fait super un cute look. Mais encore une fois, comme je vous dis, Milo, il vient tout le temps de chiller ici. Puis on doit cacher les trucs, les toutous. Ici, j'ai commencé un petit panier à toutous. Ça venait dans le kit du bedding que j'ai acheté au Wayfair. Je trouvais que c'était vraiment cute. Puis ça aussi, c'est un Jellycat qu'une de mes amies m'a acheté. Ça, je l'ai trouvé au Winners. Je le trouve vraiment cute. Puis je voudrais que ça soit comme juste plein de peluches. Puis je vais voir si je le laisse là ou si je le descends plus bas, le bac. Puis je vais voir comment je vais placer ça. Tu sais, mon but, c'est que ça soit quand même accessible aussi, ces rangées-là. Puis je vais peut-être mettre d'autres rangements. Puis j'ai acheté ça sur Amazon, un petit arc-en-ciel multicolore, parce que je voulais faire un rappel avec les livres. Je trouvais qu'il manquait une petite touche colorée. Fait que ça a l'air de tout ça en ce moment. Puis j'ai vraiment pas fini, là. C'est sûr, je vais sûrement changer les trucs de place. Je vais peut-être changer les bacs. Mon but, c'était de vraiment laisser tout cet espace-là dans la chambre. Puis mettre son tapis, puis qu'on peut jouer, puis qu'on ait de la place. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment comme laisser les meubles ici. Puis qu'ici, on ait vraiment de la place pour jouer. Dans le garde-robe, dans le fond, ça, c'est ce que j'avais avant. C'était un Pax Ikea qu'on a fait encastrer, Gab et moi. Parce qu'il y avait pas de garde-robe dans cette chambre. Et Gabriel m'a mis plein de tiroirs, il me l'a tout customisé. En attendant, ça a l'air de tout ça. J'ai commencé tranquillement à mettre comme juste du bedding. Ça, j'ai commencé une petite pharmacie, des petites blankets. Ça, je vous l'ai dit sur Instagram, mais ça, c'était les miennes quand j'étais bébé, ceux de Gab. Ça, c'est ma mère qui nous a fait ça, qui nous les a cousus. Puis le reste, c'est vide. Fait que je vais commencer tranquillement à placer plein de petits trucs. Moving on, ici, c'est genre ma section préférée ever. Full rangement. Ça, c'est le tapis de sol, full de place pour vraiment qu'on puisse mettre des jouets. Puis je veux laisser de l'espace comme ça pour qu'on puisse s'asseoir et hang out. C'est sûr, il faut que je baby-proof everything. C'est pas encore... Je commence. Fait que dans le garde-robe, on a rajouté une pôle. Avant, moi, j'avais juste une pôle. Tout ici, c'est vide. Donc je vais pouvoir mettre peut-être des couches, du rangement, whatever. Je sais pas encore que je vais mettre en haut. J'ai commencé à classer des petits vêtements. Everything is very gender neutral for now. On connaît le sexe, puis je vais vous le dire prochainement. Je vous en parle après dans le Q&A. Mais j'essaie de vraiment d'acheter des trucs neutres parce que peu importe le sexe du bébé, on voulait que notre trousseau, on puisse le passer pour notre prochain bébé, puis que ça reste vraiment comme neutre quand même le plus possible. Fait que ouais, j'ai acheté des petits trucs de bois comme ça sur Amazon. Puis c'est vraiment cute, c'est thématique animaux. Fait que vraiment, moi, la chambre, ça va être un peu thématique animaux. Fait que vous voyez que c'est comme newborn. Je vais pouvoir tout vous link ça dans mon Amazon. Puis la majorité des vêtements que j'ai achetés, je les ai trouvés au Winners ou au Walmart. Fait que c'est vraiment ça. Moi, ce que je pensais, c'est aussi me prendre des pyjamas puis m'en laisser une coupe dans la
tabalanger ici, tout le temps m'en laisser quelques-uns. Puis il y a vraiment de l'espace encore sur les murs et tout. Ensuite de ça, ce mur-là, je sais pas encore quoi faire avec le mur qui est ici. Je sais pas si je mets du papier peint, je sais pas si je mets des moulures, mais c'est un gros mur blank. De l'autre côté de ça, c'est notre garde-robe, puis après, c'est notre chambre. Fait que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais je veux vraiment laisser tout cet espace-là libre dans la chambre. On n'a pas vraiment de salle de jeu, si on veut, dans la maison, parce qu'on a tout bougé les pièces. Là, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Ici, avant, c'était mon bureau, puis ma beauty room. Puis là, c'est rendu la chambre du bébé. Fait que moi, j'ai pris le bureau à Gab qui est à côté. On a trois chambres au rez-de-chaussée, puis on a une chambre au sous-sol. Gab, son bureau est rendu au sous-sol. Mais nous, notre maison, c'est un split level. Fait que le sous-sol est vraiment grand. Les plafonds sont full haut. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ouais, je vais vous montrer ça quand on reçoit la chaise, puis un peu les autres affaires que j'ai commandées. Je pose ça sur ma poussette, mes trucs. Fait quoi. Puis c'est ça, j'espère que vous aimez this room as much as I love it. Hey besties, je suis présentement dans ma nouvelle beauty room slash office. Je vais faire un tour peut-être dans l'autre vlog parce qu'en ce moment, c'est le barda. J'ai comme, il me manque des meubles, il me manque des affaires. Fait que en ce moment, there's like just this that is done. Puis un peu ce mur là. Fait que je vais vous montrer le mur que je regarde. Puis vous voyez le mur derrière moi. Puis je vais vous montrer aussi des petits pieces que je me suis acheté au Revolve. Je me suis acheté cette laine-là. Je l'aime tellement. Elle est tellement, tellement chaude. Puis je vais vous montrer aussi d'autres petits basics. J'ai acheté le top que j'ai en ce moment. Je me suis aussi acheté un bodysuit brun que j'aime vraiment. Je vais tout link dans mes favoris, comme vous savez. Puis c'est la marque Super Down. Puis la robe que je portais pour le gala avec Gab, je me suis demandé de la linker. Dans le fond, c'est quand j'étais allée à Banff. C'est une robe vraiment simple, vraiment longue, noire, super down. Puis j'ai mis les petites manches comme ça qui venaient avec ce top-là. Fait que ça, ce que j'aimais de ce top-là que j'ai acheté, il venait avec les manches aussi. Fait que les manches, je peux les mettre sur d'autres morceaux. Fait que j'étais quand même raisonnable for this order. Ici, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant, il y avait comme un bureau. Puis il y avait juste comme... Oh! Puis il y avait comme un bureau là, puis juste comme... un trou là, puis là en ce moment c'est vraiment, comme je dis, de bordel. Ça c'est le bordel pour moi. Fait que en ce moment, mini tour. On a monté le Pax Ikea qui était dans la chambre d'amis. On l'a fait encastrer par un homme à tout faire ici. Fait que juste mettre des moulures pour vraiment créer un look encastré vraiment smooth. Puis ça, c'était tous mes vêtements qui étaient dans la chambre du bébé. C'est pas encore parfaitement rangé. Mais bon, this section is quite cute and aesthetic. Right, that's it for the little office update. Je vais aller m'installer pour répondre à vos questions, faire la partie Q&A. Puis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai dit que j'allais faire le Q&A. Puis ma caméra a manqué de pile. Là, je suis en train de faire mon make-up. Puis je me suis dit, why not finir de me préparer pendant que je réponds à vos questions. Puis... chat together. It's not the best background parce que j'ai encore... Genre, je suis plus capable de voir ça en arrière de moi. Okay, j'ai tellement hâte de recevoir la nouvelle cage à Milo. Elle est full belle, elle est genre en bois. Ça va vraiment être beau. Puis Life, il dort dedans en ce moment, même si la porte est ouverte. Il est tout le temps dedans. Il est vraiment habitué. Puis ça, comme ça, il amène du réconfort à avoir son petit enclos puis son petit espace. Fait que bref, j'ai bien hâte que ça arrive parce que it's driving me crazy. The aesthetic... me, genre, je peux pas, I can't. Fait que j'ai bien hâte que ça arrive. Donc, c'est ça, j'ai rien à faire mon make-up, j'ai vraiment pas fini. J'ai juste fait comme vite ma base, puis mis du mascara. Et je voulais répondre à vos questions, je les ai sur mon téléphone ici. Donc, première question, comment vas-tu? Est-ce que ta grossesse se passe bien? It's like a dream come true. J'ai l'impression que, comme, on vit de la magie, Gab et moi. Comme, sincèrement, créer un être humain avec ton être humain, c'est juste... fou, et c'est tellement like a powerful thing de savoir qu'on crée la vie ensemble, like both of us together we are creating, surtout my body is creating somebody. Oh, ça me rend tellement heureuse, j'ai vraiment l'impression que je vis comme de la magie, honnêtement. C'est fou comme feeling, so super happy, super excited. J'ai juste l'impression que comme l'amour et le bonheur, ça se multiplie, puis comme ce qu'on vit en ce moment, c'est juste exponentiel and even more love and more happiness. As-tu annoncé ta grossesse pendant ton premier trimestre? Donc non, je n'ai pas annoncé ma grossesse pendant mon premier trimestre. J'étais dans le deuxième trimestre et je suis toujours dans mon deuxième trimestre.
Fait quoi? That's it for that question. Savez-vous le sexe et voulez-vous un sex reveal pour le bébé? Donc, oui, on sait le sexe du bébé et non, on ne veut pas de sex reveal. Nothing else to add. Vous allez savoir très bientôt, vous allez savoir ce mois-ci en fait, c'est quoi le sexe. Comment as-tu annoncé à Gab que t'étais enceinte? Comment as-tu annoncé à votre famille? Honnêtement, c'était tellement, tellement comme relax parce que Gab était avec moi dans la toilette pendant que je faisais mon pregnancy test. Fait qu'il a vu le résultat comme en live, puis après ça j'ai juste FaceTimé ma mère tout de suite pour y dire, puis tu sais c'était pas comme notre famille était tellement tellement content puis tellement puis sont encore tellement contents puis tellement heureux pour nous. Ma mère en ce moment est en Floride puis genre à chaque jour elle s'en va magasiner puis elle m'envoie des trucs de bébé qu'elle achète puis je suis comme maman relax. Nos parents nous ont tellement gâtés, ils sont tellement contents, ils nous en parlent tout le temps. Genre c'est notre seul sujet de conversation en ce moment pour elle, le bébé avec notre famille, c'est genre tout ce qu'on parle. Fait que vraiment, vraiment excité, vraiment content. Savez-vous le nom? Fait que Gab et moi, on a comme un top 6 de noms qu'on aime. On a 3 noms pour filles, 3 noms pour gars. Puis à nos yeux, les 6 noms qu'on aime sont vraiment bons. Fait que tu sais, c'est comme, on n'a pas un que c'est genre, ah c'est lui ou c'est rien. On a vraiment, on aime vraiment les 6 noms. Puis on sait comme pas vraiment. Fait que même notre famille nous demande tout le temps, genre, ah, oh, c'est quoi le nom? Genre, je vous jure, ben, c'est comme la question que je me fais le plus demander en ce moment dans ma famille. C'est quoi le nom du bébé? Puis, on n'en a aucune idée encore. Je pense qu'on va, on le dit à notre famille qu'on va plus leur dire à la naissance. Je pense qu'on va être ce genre de parents-là qu'on va attendre de voir le visage de notre bébé avant de dire, c'est quoi le sexe? Avant de dire c'est quoi le sexe? Ok, j'ai déjà le mom brain qui fait effet. Avant de dire le nom, je pense qu'on va attendre de rencontrer notre enfant. Puis de voir c'est quoi qu'on trouve qui est comme feels right for us in that moment. Ressources que tu recommandes slash utilises. Honnêtement, pendant ma grossesse, une des ressources que j'utilise le plus, je me suis inscrite à un module en ligne, comme un cours en ligne. Si jamais vous avez fait déjà des cours en ligne à l'école, ça ressemble vraiment, c'est vraiment construit de la même façon. Par mon ancien entraîneur, je voulais l'encourager, mon entraîneur Anne-Josie, elle m'entraînait avant quand elle habitait à Montréal, elle a déménagé à Winnipeg. Puis c'est vraiment hot, elle a créé un module, ça s'appelle Grossesse Heureuse. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est comme un cours en ligne que vous avez accès à plein, plein, plein de documents, de vidéos. Il y a plusieurs experts qui ont comme contribué à la création de son portail. Puis t'as vraiment le module genre préconception, le module premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, on parle comme du postpartum, on parle de nutrition, programme d'entraînement par trimestre, exercice, positionnement de bébé, témoignage d'accouchement. Quand Gab et moi, on était à la banque, on avait downloadé genre plein de PDF de là-dessus pour les lire ensemble, puis on regarde les modules ensemble, puis pour vrai, je trouve vraiment que c'est un bel outil complet. Puis moi, je me suis bookée aussi des séances privées, genre one by one avec elle pour qu'elle soit comme ma coach de grossesse, puis quand j'ai des questions au niveau de ma nutrition, au niveau de mes entraînements, etc. Fait que c'est ce que j'ai pris comme package. Puis honnêtement, c'est un outil que je trouve full complet, puis j'avais pas trouvé d'outil autant complet comme prénataux, vraiment, que tout le module, tout est là. Il y a même un volet pour papa, genre les points de pression pendant l'accouchement, all of that. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool que ça inclut aussi ton partner, puis ouais, c'est vraiment, vraiment une belle plateforme. Enfin, je vous link date si jamais ça vous intéresse. Autre question que j'ai reçue, c'est est-ce que tu sais le genre de contenu que tu veux partager, puis pas partager, contenu bébé? Ben déjà, vous avez vu un peu dans le vlog, je pense, jusqu'à présent, le genre de contenu que j'aime partager de bébé, c'est le genre de contenu que je fais déjà pour moi-même, puis que je vais juste add on like a little baby part into it. Ce que je veux dire par là, c'est que à la base, je parle déjà de mode, je parle déjà de beauté, je parle déjà de lifestyle, fashion, voyage, déco maison. Tous ces sujets-là, c'est des sujets que si vous écoutez tout le temps mes vlogs, vous savez de quoi ça a l'air mes vlogs, la formule de mes vlogs. Puis avant même d'être enceinte, moi j'adorais consommer du contenu du genre what's in my hospital bag, genre les chambres de bébé, les sacs à couches. J'aimais écouter ce genre de vidéos-là un peu que les mamans faisaient, puis juste de voir les gadgets que les mamans aiment acheter. Puis la majorité des gadgets que moi-même je me suis acheté, c'est parce que j'ai écouté des vidéos YouTube, puis plein de vidéos YouTube, puis plein de reviews là-dessus. Moi, ça a toujours été ça le contenu que j'aime écouter, puis que j'aime consommer, puis genre voir des outfits de bébé, puis juste un petit peu ce genre de contenu-là que je fais déjà. Continuer à parler de moi puis de ma vie, mais intégrer des trucs bébés. Là, c'est sûr, dans le vlog de cette semaine, c'était très bébé parce que littéralement, c'est comme la grosse nouveauté en ce moment. Mais dans le prochain vlog qui s'en vient tout de suite après, parce que je vais le commencer tout de suite après this one. Fait que le vlog de la semaine prochaine après Pâques, Gab m'organise un getaway pour ma fête ce week-end. On fait my early birthday this weekend together, just the two of us. Je reçois ma nouvelle table à manger que j'ai commandée sur mesure. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai dit que je faisais faire une table sur mesure et enfin prête à se faire livrer
pendant le samedi de Pâques. Fait que je suis tellement, tellement excitée qu'elle soit livrée, installée, tout vous montrer ça. Fait que j'aurai comme des home updates. Je vais vous montrer aussi le bureau à Gab en bas. Finaliser cette pièce-ci qui est genre mon nouveau bureau maintenant slash beauty room. Puis juste vous amener avec moi là-dedans, puis dans la planification de notre baby moon. Vous montrer d'autres gadgets, puis l'évolution de la chambre du bébé, puis d'autres choses qu'on achète ensemble. Puis juste comme documenter ces parties-là, le fun avec vous, que moi j'aime consommer comme contenu, puis le contenu que j'aime produire aussi. Fait que j'ai 2 secondes, I'm gonna set everything. Parce que j'ai pas mal fini mon petit make-up. Jamais too much. Make-up setting spray, je trouve que c'est comme the best part du make-up. Puis le contenu que je veux pas partager, ok? Vous l'avez peut-être vu à date, c'est pas un secret, j'en ai parlé dans mon pod talk, qu'il y a beaucoup de sujets que pour le moment, je suis pas rendue à partager ça. Peut-être plus tard dans ma grossesse, oui, mais pour le moment, tout ce qui est du carnet médical. Moi, je vais parler le volet médical. Tout ce qui est, c'est où que je fais mes suivis de grossesse, quel hôpital je vais accoucher, c'est qui mon médecin, je suis à combien de semaines, combien de temps ça m'a pris de tomber enceinte, c'est quand ma date prévue d'accouchement, quel genre d'accouchement que je veux. Tout ça pour moi, genre c'est quoi les tests que j'ai faits médicaux, c'est quoi, comme toutes ces affaires-là, c'est comme des sujets que pour le moment, je suis pas prête à parler. Puis je trouve ça vraiment hot de voir qu'il y a plein de femmes qui documentent leur journal de grossesse, qui documentent leur suivi de grossesse, qui documentent leur processus de conception de bébé. Puis je trouve ça vraiment hot qu'il y ait ces ressources-là out there, puis qu'il y a plein de femmes qui documentent ça. Mais pour moi, c'est pas le genre de contenu que j'ai envie de comme share for now. J'ai pas envie que tout le monde puisse suivre, je suis à quelle semaine dans ma grossesse, puis c'est quand que j'accouche, puis comme track down everything I do for now. Même si je sais que vous avez les meilleures intentions du monde, puis vous êtes full excité pour nous, puis vous êtes, c'est juste plein de joie, puis de bonheur, puis c'est de la curiosité, vous êtes curieuse, vous avez envie de savoir. Pour le moment, je vous dis que dans le deuxième trimestre, we know the sex, you guys are gonna know really soon, you're gonna know this month, vous allez savoir en avril. Puis au fur et à mesure que la grossesse va avancer, c'est sûr, à un moment donné, ça va devenir évident. C'est quand je suis sur le bord d'accoucher. Fait quoi, je pense qu'au fur et à mesure de la grossesse, on va évoluer ensemble. Je vais voir qu'est-ce que je suis plus confortable. C'est vraiment nouveau pour moi, le chemin de la maternité. C'est ma première grossesse. Tout est nouveau pour moi. Puis je suis très protectrice. Je suis déjà like a mama bear. Puis je veux vraiment protéger mon bébé, mon dossier médical le plus possible. Notre dossier médical à nous deux le plus possible. Puis encore une fois, comme je dis, je trouve ça amazing, the women out there that want to share all that stuff and that information. Mais c'est pas vraiment le genre de contenu que vous allez voir sur ma page. Fait que si vous vous attendiez à voir genre un journal de grossesse full détaillé avec comme les rendez-vous médicaux puis tout ça, it's not gonna be here. Puis je verrai, comme je vous dis, au courant de la grossesse, what I want to share more. Puis là, je vais vous amener avec moi parce que j'ai reçu ma poussette que j'ai commandée. Car seat, all of that. Puis on a souvent d'entre vous qui est comme, Maud, pourquoi t'as autant tes affaires tôt? Dans mon premier trimestre, j'étais tellement KO à terre, j'étais pas capable de rien faire. Là, j'ai full d'énergie, puis je me dis, ok, pendant que j'ai de l'énergie, je sais pas dans le troisième trimestre comment je vais me sentir, je veux genre en faire le plus possible pour the baby room and everything. Comme ça, si j'ai pas d'énergie le troisième trimestre, je peux juste chill, relaxer, puis j'ai tout fait. Puis j'aime ça être d'avance puis organisée. Fait que je vais vous montrer, on va aller dans la chambre du bébé, je vais vous montrer what I got, ce que j'ai reçu, je suis tellement excitée, puis let's go together, I'm gonna take you guys. Direction chambre, baby! Ok, donc voici ma première commande que j'ai reçue de Nuna. J'ai choisi le Nuna parce que j'ai tellement vu des beaux commentaires sur YouTube, honnêtement. J'ai copié mes amis aussi, j'ai genre 2 de mes meilleurs amis qui ont cette poussette-là, puis ce car seat-là, fait que je les ai copiés. J'ai dit à Gab que j'allais l'attendre pour les ouvrir, puis toutes les déballer puis les installer. Fait que je pense qu'on va faire ça quand Gab va être là, mais je vais m'asseoir, je vais vous asseoir 2 secondes. Let me set it up for you guys. Okay, just me and my boxes, même setup que la dernière fois. Je vais vous montrer, je vais peut-être déballer ma poussette pis tout dans le prochain vlog, l'assemblée avec Gab, parce que j'ai promis à Gab que j'allais l'attendre, mais je vais vous montrer les achats Baby Breeza que j'ai fait. Puis vous parler un peu pourquoi j'ai choisi chaque affaire, parce qu'en fait j'ai copié une de mes amies, j'ai tout acheté qu'est-ce qu'elle allait. Fait que la première affaire que j'ai commandée, c'est le réchauffe biberon. Le réchauffe biberon, honnêtement, c'est genre un 4 en 1, c'est safe pour breast milk, c'est safe pour formula milk, c'est safe pour defrosted frozen breast milk, puis aussi warm food jars. Fait que je trouvais que c'était comme vraiment complet, puis ça faisait tout ce que j'avais besoin. J'ai pris le stérilisateur pour biberon, tu peux mettre tes suces. Mon amie a mis genre même les trucs de dentition pour son bébé dedans. Tu peux stériliser aussi juste en faisant bouillir de l'eau et tout et tout. Mais moi je trouvais que c'était tellement un gadget pratique. Mon amie elle me dit que ça lui sauve la vie, puis genre t'as pas besoin de comme worry about anything. Tu mets juste throw everything in there. Ça, je pense que c'est un bon cadeau à ajouter sur votre registry pour votre baby shower. Si jamais vous faites un baby shower ou si vous voulez splurge vous-même pour vos gadgets, honnêtement,
je suis vraiment satisfaite de ça, de ce que mon ami me dit. Encore une fois, je l'ai pas utilisé, j'ai juste de le recevoir, mais ça stérilise et ça sèche les bouteilles et les accessoires. Ça tue 99,9% des microbes. Ça peut contenir 8 biberons, 2 jeux, puis le tire-lait même dedans. Fait que tu peux mettre ton tire-lait dedans si tu veux. Ça dit que c'est modulaire, fait que tu peux vraiment changer les plateaux de place. Puis il y a un filtre aussi dedans, qui est le filtre HEPA. Ça assure que l'air utilisé pour le séchage est exempté de bactéries à 99,9%. Fait que ça, encore une fois, j'ai copine de mes amis. Rien, c'est sûrement que vous avez déjà entendu parler de ça, Baby Breeza, le stérilisateur. Ok, dernière purchase. Avant d'en parler, il faut que je fasse un petit disclaimer. Moi, je prône vraiment que chaque maman prend les meilleures décisions pour elle. Je trouve ça tellement triste de voir tout le mom shaming qu'il y a sur les réseaux sociaux, le mom's police, de toujours dire aux mères qu'est-ce qui est mieux de faire. Une de mes meilleures amies qui était enceinte, c'était son rêve d'allaiter, puis elle a pas pu allaiter, puis c'était extrêmement difficile pour elle de faire ce comme de deuil-là, qu'elle était physiquement pas capable, elle avait aucun milk supply, ça fonctionnait pas. Puis ça a été très dur pour elle à accepter, puis je vivais ça avec elle, cette peine-là, au travers d'elle, puis je me disais, ok, moi je veux toujours me garder toutes les options ouvertes. Je me prépare à plusieurs scénarios. Je vais essayer d'allaiter, puis si ça fonctionne pas pour moi physiquement ou mentalement, j'ai aussi l'option de faire du formula feeding. Si je veux faire un mix, si je veux faire un duo, moi, ma mère, elle faisait ça avec moi au début, elle avait pas assez de milk supply, fait qu'elle faisait allaitement et formula feed, elle faisait vraiment un mix. Fait que je veux toujours me garder plein d'options ouvertes, puis si jamais j'utilise pas ce gadget-là, encore une fois, je vais le donner à une maman dans le besoin. Mais ça, c'est un gadget que j'ai vu sur YouTube. Je me suis fait influencer. En fait, c'est comme une machine à café que tu peux commander avec ton téléphone. C'est la Baby Breeza Formula Pro Advanced. Et ce que ça fait, c'est vraiment comme une cafetière, ok? Ici, si vous avez déjà une machine à café, genre au grain, tu mets, mettons, tes graines de café, puis avec l'eau, puis ça pipe, tu pars, puis ça fait ta bouteille à la parfaite température. C'est la même affaire pour un bébé, genre avec la formula du lait en poudre. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, fait qu'à un temps, le bébé pleure pendant la nuit, tu pars ta bouteille, le lait en poudre est là, puis ça fait automatiquement le biberon à la parfaite température. Donc c'est ça, l'application est gratuite, ça permet de préparer les biberons sur mesure, tu peux enregistrer 5 pré-réglages, tu peux genre customiser tous tes pré-réglages, ça prépare, ça chauffe le biberon instantanément. Je me suis laissée un peu influencer puis j'ai pris ça pour le formula feeding, puis comme je vous dis encore une fois, je vais avoir ça, puis je vais peut-être acheter un pot ou deux de lait en poudre que je vais garder. Si finalement je les ouvre pas, je les touche pas, c'est sûr que je vais donner à une maman dans le besoin, mais si jamais vous faites de la formula feed, puis ça vous sent pas de genre bouillir l'eau, nana, the whole process, je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre ça sur votre baby registry, puis juste aussi d'avoir les options ouvertes comme je vous disais. Moi c'est pour ça que je voulais cette affaire là je trouve vraiment que c'est cool comme gadget, ça me fait vraiment penser à genre la première cafetière que j'ai eu dans ma vie, que c'était avec le café en poudre, mais sans l'application. Là c'est vraiment avec une application web, fait que tu peux vraiment le faire à distance. Fait que c'est ça, le dernier colis Baby Breeza que j'ai, puis ouais, j'ai vraiment hâte d'ouvrir la poussette puis de vous montrer la couleur qu'on a pris. Je viens de recevoir, pendant que je vous parle, j'ai eu une notification sur maçonnerie intelligente, puis je vois que à ma porte ils ont laissé ma grosse chaise berçante. Fait que je vais essayer de genre push that in my entryway puis laisser Gab après dealer avec ça. Fait que je vais vraiment avoir du content pour le prochain vlog déjà pour vous montrer la chaise berçante, assembler tout ça. J'ai aussi commandé d'autres petits trucs bébés qui devraient arriver, puis je me radote, mais comme je suis vraiment contente de faire ça pendant que j'ai de l'énergie de le faire, puis de m'équiper puis d'acheter mes trucs pendant que j'ai l'énergie, parce que je sais vraiment pas, ça va avoir l'air de quoi mon troisième trimestre. Puis à date, je m'achète quand même tous mes gros gadgets, mes gros morceaux moi-même. Mes parents m'ont offert des choses aussi, puis les parents à Gab. Fait que pour mon baby shower, je pense vraiment faire quelque chose super low-key, super petit. En fait, je voulais même pas faire de baby shower au début. Fait que ma mère, je sais qu'elle va peut-être m'organiser un petit brunch ou quelque chose. Puis à date, ça serait plus pour comme justement les gadgets qui me manquent pour remplir après avoir les gros morceaux. Fait que comme là, j'ai déjà les gros morceaux, fait que je pense qu'il va me manquer plus comme, mettons, des biberons, des suces, des couches. Tout l'équipement pour remplir l'armoire que j'ai derrière moi, puis continuer de remplir mes tiroirs de trucs que j'ai besoin. On a tout le temps besoin d'un million de gadgets, surtout pour le premier bébé, le premier trousseau. Fait que j'espère que vous avez aimé le vlog jusqu'à présent. J'espère que vous avez aimé ça, this new vlog journey that we're starting together. Puis je commence déjà sur le champ, je vais mettre fin à ce vlog et commencer le prochain. Fait qu'on se revoit tout de suite dans le prochain vlog la semaine prochaine. Je vais le mettre après le week-end de Pâques, fait que ça s'en vient. Puis déjà après, autour de ma fête, vous allez connaître le sexe du bébé.
Fait que ouais, je suis vraiment excitée de plus avoir à tout le temps penser 3-4 fois quel pronom j'utilise pour bien que ça ait l'air neutre le plus possible. J'essaie vraiment de rester super générale puis de pas m'échapper parce qu'on appelle tout le temps notre bébé comme baby girl or baby boy. T'sais, on l'appelle tout le temps comme ça, Gab et moi ensemble. Fait qu'on est genre baby girl thing, baby boy thing. T'sais, on dit tout le temps en fonction de genre son sexe juste parce qu'on sait pas encore, comme je disais, le nom exact. Fait que c'est vraiment dur pour moi parce que j'ai vraiment envie de vous dire genre baby in's room. Bref, fait que merci tellement, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, abonnez-vous, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye besties!